Yeah! Yes! Premier lancé! Premier poisson! Que du bonheur! Putain quoi! Regardez-moi ça! Une belle fario! Une belle fario de... Décroché. Tac. Impeccable. Trente-huit. Ouais. 37. Impeccable. Ça commence bien. Premier lancer de la journée. Impeccable la journée d'intempéries. Une belle fario. 37. Ah là, elle est belle. Allez, on la remet. Voilà les poteaux, ça sent bon là. Moi je vous dis. Moi je vous dis qu'ici, ça sent bon. Déjà, je vais aller chercher en bas du courant. Du coup, si je veux rejoindre la veine d'eau, je vais me laisser les porter. Alors, les gars, ils les cherchent, mais ils ne les trouvent pas ici. Parce que... Ouais, putain, et encore une belle. Oh, décroché. Oh merde. Oh, bon ben ouais, voilà. Putain, tape. J'espère que celle-là, je vais l'avoir en direct. Bon, comme je vous avais dit, il y en avait une dans le trou là-bas. C'était sûr. Ouais, c'était une comme tout à l'heure, 37, 38. Mais là, il y en a une au fond. Et elle a loupé le leurre. Elle a tapé qu'une fois. Donc normalement, elle peut revenir. Oh putain! Merde, décidément! Pas doué là. C'est peut-être une petite celle-là. Quand elle coffre pas le leurre. Bon, alors du coup, poisson au leurre souple, ça répond plus là depuis ce matin. Donc on va essayer au Gamora. Un petit poisson nageur suspending de chez Gunky. On va bien voir ce que ça dit. Hein. Animation pas trop rapide. Et on est encore tôt dans la saison. Donc on va leur laisser le temps de l'attraper. Hein. Imitation de petite truite fario parce que si jamais elles ont pas faim, au moins elles seront territoriales. On le voit bien s'animer, hein. C'est pas mal. Bon, et bien écoutez, on va continuer à ça. Ouh, allez. Au poisson nageur, c'est parti! Et ouais, on change de temps en temps. Hein. Quand ça répond plus, mais du coup, on tape du plus petit. Pitounette. Oh, elle est piquée sur le côté. Tac. Petite truite au Gamora. Wow! Parti. Ah, là il y en a une plus jolie là. Pareil, pris sur le côté. Ça c'est une belle ça. Hey. Bon bah voilà. Oh là là, la belle d'art salée, elle est belle. Celle-là, elle est bien belle.
Bon, la prise du jour. Un verron monstrueux. Oh, pépère. Bon. Alors, attention à la release. Duke. Bon. Bon, on continue à l'ondulante. Coloris mulets, parce que manifestement les truites de Garonne qui n'ont jamais vu un mulet de leur vie, et elles en mangeraient bien. Ouh! Hey, grosse ondulante comme quoi, qui ose, hein? Oh là là! Ah, la grosse cuillère ondulante! Et du coup, gros poisson. Elle est belle aussi, encore celle-là. Merde! Non, on va pas entrer à l'épicette comme ça. Hop! Hey! Putain! J'y crois pas, quoi! Je me suis dit, je vais tester la grosse ondulante, on verra bien, vu que c'est grand ici. Grosse la pêcher. Eh ben, ça paye. Putain, de belles truites. Oh, elle est belle celle-là encore. Oh, elle est belle. Voilà, 37. Ouais. Ouais, c'est ça. 37 encore. 37. Putain, décidément, oh là là. Belle mer. Putain, je viens d'avoir un suivi d'une très grosse mémère. Alors là on entre dans le game là. Putain, il y a une 50-55 qui traîne. J'aimerais bien me la dégommer là. Je viens de la voir, elle est venue jusqu'à 2 mètres de moi là. Bon alors elle, à mon avis c'est mort, mais ça veut dire qu'il y en a sûrement d'autres. Allez, encore une jolie, mais c'est toujours pas la grosse. Décidément, celle-là elle est émotive. Ouf. Alors du coup elle m'a effrayé tout le spot. Mais bon, c'est pas grave, elle est belle. Allez. Décidément quoi. Ouah. Encore une jolie. Putain, la journée s'enchaîne. Oh là 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 là, que des belles. Alors, cette mémère fait. Ah, les plus petites, celle-là. 34. 35. Mais elle est belle. Allez, mais. Et qu'on fait pas, même pas, surtout. Bon, allez, quelques derniers lancers pour la matinée et après il sera temps de rentrer.